c'est de prouver quelque chose sur un court temps avec des cotes à respecter. Donc, ça restait quand même très, très, très intéressant à faire. C'est pas les mêmes conditions, il y a des interprètes, donc c'est plus compliqué pour comprendre les consignes, on va dire, déjà. Mais après, non, c'est sûr que c'était une expérience en Europe. Je me suis dit, je vais quand même aller là-bas pour leur montrer qu'on s'est calé en Europe correctement. Et puis, ça me l'a fait quand même. Personnellement, les gens étaient super heureux pour moi que j'ai pu rapporter quelque chose. Et puis après, ben, professionnellement, ça nous a apporté un petit peu de boulot aussi, donc c'était bien. Ils m'ont contacté du coup pour me demander si ça m'intéressait. Et puis ben, après avoir fait deux concours, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de voir comment ça se passe de l'autre côté de la compagnie. Puis ça permet de renforcer encore un petit peu plus les liens. C'est vrai que c'est une société que j'apprécie, c'est top, ouais. Moi, je leur dirais de ne pas trop se poser de questions et d'essayer de ne pas stresser. Selon les traits de caractère, ça peut être compliqué pour certains. Et dans un concours, je pense qu'il faut vraiment se mettre des œillères et puis avancer à fond.